Les gars, on se retrouve pour Destiny 2. Bah voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Destiny, puisque Destiny 1, bah, ça me casse les couilles, ça me saoule un peu. Bref, donc là on est sur le choix du personnage, il y a Antoine qui va nous rejoindre comme d'hab. Bah moi je prends tout le temps chasseur, c'était ma classe dans Destiny 1, je jouais qu'avec lui. Les autres, j'aime pas trop les autres classes, mais voilà, on va pas en faire tout un topo. Donc si vous aimez bien Destiny 2, bon là c'est la bêta, je voulais pas y jouer, mais je peux pas m'empêcher d'y jouer, c'est pas possible. Je vous laisse avec cette cinématique, faites-vous plaisir. Attends, parle pas, il y a la cinématique. Ikora, si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serais impressionné. T'impressionné, Cade? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se voit pas? Ikora, vous avez quelque chose? Les systèmes de défense ligne d'horizon semblent avoir été sabotés. Les communications sont brouillées depuis le début des festivités. Aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur. C'est peut-être dû à l'orage. Ou peut-être. Des infos des satellites? Il n'y a rien. C'est bien, non? Non. Il n'y a vraiment aucune trace. Où sont nos satellites? Ah oui, c'est pas bien. À vos stations! Tout le monde avec moi, maintenant! Bon bah je vous dis re à vous aussi les gars. Donc bon, ça suit Destiny 1, voilà. Il y a un nouvel ennemi, c'est Gaul, le capitaine je crois, Capitaine Gaul, si je me trompe pas. Ouais, Donc t'as pas on est capable, bien dans la merde. Donc du coup, inviter le groupe à jouer. Voilà. Putain. Normalement, je sais pas si tu peux rejoindre maintenant, mais bon. franchement. Vas-y, on va essayer. Oh mais mec, le jeu il est tellement beau. Oh là là. Ah non, il dit que t'as pas encore terminé. Ah bah désolé gros. Je suis encore en cinématique là en fait. Je vais le laisser profiter tout seul, hein. Mais je pense que tu pourras rejoindre quand je serai à la tour en fait. Tu pourras pas rejoindre avant, je ouais, pense. Aucune réponse sur aucune Ok. fréquence. Mais je sais à peu près ce qu'il faut faire donc ça va. Oh le spectre, comment il est beau le spectre. Bien se passer là-bas. Putain. T'as pris quoi? T'as pris Titan? J'ai pris chasseur, comme d'habitude. Ah oui, ça va oublier ça. J'avais pris Titan pour un peu. Non moi j'aime pas trop les autres classes. J'ai toujours kiffé le chasseur avec son pistolero là. Parce qu'en fait j'ai. Bon, pour ceux qui connaissent pas Destiny, chaque classe a son sa super attaque en gros, son super spécial. Et c'est un truc qui one shot quoi en général. En multijoueur, par exemple pistolero, bah il tue une balle un mort quoi. Sauf que tu peux tuer 3 ou 4 personnes avec maximum je crois. Parce que ça a une petite durée T'as trois limitée. tirs. Et ouais voilà t'as 3 tirs. Donc tu peux te faire des fois une double en une balle, je crois que c'est déjà arrivé. Mais ça doit être tellement rare mon gars. Une double en une balle. Oui, ça va. Il est J'en ai amélioré, jamais tu fait. peux faire plusieurs kills avec. Oh là là, la claque Le cœur graphique est mon pote. Maison. Par contre là ouais, la sensibilité ça va pas trop le faire. Donc là, oh c'est magnifique. Attends, bah, on va être se calmer. Comment on change la sensi? On peut pas? Bon il faut que je change la sensi, je peux pas faire mec. start.
Start paramètres, ouais, j'ai trouvé. Format de l'écran, audio, casque. Ouais, mais l'audio, attends, l'audio, il faut que je le. Je le baisse un petit peu, sinon on m'entendra pas. Caméra, sensibilité de la caméra. Ouais, moi il faut que je sois en 8 ou en 7 au moins. Je vais mettre en 7. Ouais, voilà, c'est. Il faut que je. Non, même 7, c'est même pas assez, gros. Les gars, 7, c'est même pas assez. Bon, là, on a que du. Ah oui! Donc par contre, vu que la plupart des youtubeurs, ils oublient de le préciser, hein, là comme vous le voyez, bah on a pas mal de bon stuff, hein, franchement honnêtement c'est du légendaire. Donc le plus bas, bah c'est du peu commun, c'est blanc. Après on... après c'est comment déjà? C'est vert, donc je sais plus ce que c'est vert. C'est commun je crois. Du peu commun je crois. Non, blanc ouais, c'est ouais, peu ouais. commun, vert c'est commun. Bleu, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est juste après, voilà, rare. Après t'as légendaire, violet, exotique c'est jaune, exotique c'est le meilleur. Donc là pour la bêta ils nous ont donné des trucs légendaires parce que bah sinon c'est pas drôle hein forcément. Donc c'est des trucs cheatés, vous avez passé à dès le début hein, je vous le dis direct. Sinon ce serait trop simple, tu fais le jeu easy quoi. Donc voilà, comparé à Norman j'ai un petit peu plus de skill quand même. Mais bon en même temps Destiny 1, ça fait pas longtemps que j'ai pas joué mais Destiny 1 bah on l'a squatté quoi donc c'est normal qu'il y ait une différence de skill quand même. Merde, j'étais en train de tirer sur un allié. Bon alors, par contre ça me saoule. Voilà. Bon après j'ai une autre arme mais bon voilà je m'en fous. T'as j'ai vu qu'on part à Norman et tout, eux ils galèrent et toi à mettre des headshots gros, tu es un ennemi, nous on est là, on joue depuis le 1, au calme. Sans pression. Allez hop. Ouais puis il a pas besoin d'être fort. Hein. Bah c'est ça. Ah oui là il va les tuer, Kaïd. Kaïd en plus il est comme moi, il est chasseur je crois. C'est ça qui est bon, t'inquiète, chasseur on représente gros. C'est mon pote Kaïd. Ah on a un. Ah on a un snipe. C'est bon ça. Bah ouais gros, on s'en fout nous, qu'est-ce que tu vas faire. Donc là ils sont là en mode calme, ok très bien. Bonjour monsieur. Là, je me rappelle j'ai vu le live de Norman, pour en arriver où j'en suis, il a galéré mon gars. Il était mort au moins une fois je crois. Il était mort au moins une fois, j'étais en mode qui. C'est quoi. Je suis pas à la tour encore mais bon voilà. Alors là comme vous voyez j'ai eu une arme exotique, je sais pas si on peut en prendre plusieurs. Tu peux en porter plusieurs sur toi des armes exo ou pas? Ou c'est comme dans le 1 tu peux en avoir qu'une? Je pense que tu peux en avoir qu'une. Ouais, en arme, et après t'as le droit à un équipement. Ouais t'as le droit à un équipement mais ouais faut encore avoir l'équipement quoi. J'arrête si on peut prendre d'autres trucs, non. J'ai alors, pas trop joué prendre... à la bêta moi aussi. De toute façon c'est toutes les mêmes armes. De toute façon c'est toutes les mêmes armes qu'il y a donc bah. Ok, rayon de soleil. Oh ! Ah ouais, dès le début, il donne un putain de flingue. Ah ouais ! Il donne un flingue exo, gros. Il a pas l'air de plaisanter, le flingue, hein, je te le dis. Bon, là-bas, il y a des mecs. Voilà. Et quoi ? J'ai un flingue exo. Je sais plus comment il s'appelle, rayon de soleil, je crois. Ah, j'ai le fusil automatique dès la fin. Ah, mais on n'a pas tous le même ! D'accord. Ouais. Ah oui, ouais. Chaque classe a son pistolet, ok. Bon, il y a ma mère qui gueule, hein, comme d'hab. Pour pas changer, vous avez l'habitude. Donc ça va être très tuning par contre. Tant pendant les vidéos Destiny, ce sera ma mère, elle va péter des plombs et tout, ça va être le bordel chez moi. Donc je suis désolé hein, s'il y a du bruit à côté mais je peux pas faire grand chose. Enfin je préfère prévenir à l'avance tu vois. Je finis au flingue. Oh ouais le flingue il fait des dégâts quand même. Ah y a pas à dire gros. Ça faisait longtemps, ça fait du bien de jouer à Destiny. Voilà. Il est où le mec là? Ah. Là, Norman, il est mort au moins 2 ou 3 fois, là où je suis. Voire 4. Si c'est pas 4. Bon, alors, là, il faut aller là-bas. Ah, il a foutu les boss. Enfin, les boss. Les cabales, quoi. Je suis bientôt à la tour, gros. Ouais. Ah, on peut pas mettre des coups de couteau. Ouais, mais ça... C'était comment, déjà Ah, si, c'est bon. C'est RB, ouais, des coups de poing et des coups de couteau. Oh, lui, il va pas me saouler longtemps, lui. Ah ouais ça date. Je teste le snipe hein, ne m'en voulez pas si je fais de la merde. Ouais j'ai plus l'habitude de jouer au snipe dans ce jeu. Ça se voit j'ai plus l'habitude. Bon. Voilà ça y est ça commence à crier chez moi comme d'habitude. Pour pas changer. Ouais, mais toi je vais faire des vidéos, les vidéos ça va même plus être des vidéos de jeux vidéo. Ça va être des vidéos où je filme mon petit frère en train de faire un caprice. Au calme. Sans quoi. Oh elle est il est cheaté. Oh le flingue comment il est cheaté mon gars. Wouah. Il est abusé. Mais mec, tu tues un cabal centurion en 2-2. C'est nimpe. Il est abusé. Mais ça se trouve, après, il y a des trucs qui sont cachés dans la bêta qu'on n'a pas... Enfin, qu'on n'a pas vu. Hein.
Ça c'est même sûr, vu comme je fais pas gaffe. C'est même sûr et certain. Ouais. On va mettre la petite grenade. Ah oui, les grenades, c'est des grenades. Il y a des grenades qui vont sur les ennemis automatiquement aussi. Dans Destiny 1. Mais vu que ça fait longtemps que je peux... J'aurais dû faire des vidéos sur Destiny 1. Ah oui, mais quand il est sorti, j'avais pas l'ordi. Je pouvais pas faire les montages et tout. Oui, mais pas beaucoup. Ouais, j'ai fait une petite vidéo vite fait ou deux, tu vois, mais c'est tout. Pas plus. N'empêche, il y a un truc que je kifferais. C'est je compte Norman en PVP. Pour lui éclater sa race. Mais il est sur Play 4, donc ça risque pas. Ce serait tellement énorme. Mec, t'arrives et tout, tu... Ouais, grosse partie contre Norman. Hein. Il a perdu 40-0. Et encore, moi, je suis pas un joueur exceptionnel. Hein. Il y a des gens qui sont encore meilleurs que moi. Mais c'est vrai que sur Destiny 1, je sais pas si tu te rappelles, gros, les parties qu'on faisait. Voilà, ça crie chez moi. Je suis désolé. Bon, attends, je vais couper mon micro, les gars, parce que... Ouais. Mon spectre n'arrête pas d'appeler ses cabales la Légion Rouge. Ikora, t'as des infos ? Plus trop. Voilà, on est de retour. Voilà. Au moment où je remets le micro, il faut qu'il crie. L'autre là, encore le boss. Putain. Même moi, je l'entends. Mais oui. T'imagines si. Ouais, ça, je peux. Dans tous les cas, je peux pas faire de live de toute façon. Ça, c'est pas possible. T'imagines, t'es en train de faire un live, le gars, il casse la tête et tout, fait que de crier. Ouais, c'est tombé. Gros. Ah, c'est bon, je suis à la tour, mec. Je crois que tu peux me rejoindre. Attends. Je vais essayer de t'inviter. Je vais être à l'endroit où faut battre les espèces de hordes de cabale. Y'a un mec avec moi et il est décédé de charisme. On peut pas s'allonger. Enfin, je vais essayer de t'inviter, ça va être compliqué parce qu'en fait t'es à découvert de partout. Bon bah si je crève, il va me réanimer. Hein. Je t'ai invité plein de fois, donc si tu peux pas rejoindre, c'est qu'un problème. Vas-y. Oh, t'as pas encore terminé le début. En fait, ah bah tour, ouais, je suis à la tour, donc il faut attendre. Ouais, parce que je suis avec des gens. Oh, j'ai mon super. Ouh, pistolero, hein. Ah non, c'est pas le pistolet. What? C'est quoi ça? Pourquoi t'as plus le pistolet en super? C'est quoi cette merde? Je sais pas du tout. J'ai pas testé, je sais. Bah, c'est plus le pistolet, c'est un espèce de bâton là, tuning bleu. C'est quoi ce bordel? Moi je pensais que j'avais le pistolero. Ah, ah oui, ouais. C'est une épée, cryo, ça. Ouais. C'est une épée bleue. Ouais, ouais, cryo. Ah oui, c'était les dégâts cryo, le bleu. Exact. Donc pour ceux qui savent pas, c'était c'est en fait, y a des boss, fallait les battre pour leur faire plus mal avec des dégâts spécifiques en fait. Donc des dégâts cryo, des dégâts électriques, des dégâts de feu. Enfin, c'était bien par thème. Solaire, cryo électrique. Solaire, cryo électrique et tout. Voilà, et abyssal, merci. C'était bien avec des thèmes particuliers et c'est comme ça qu'on pouvait défoncer des boss quoi. Enfin, si tu tapes avec la mauvaise arme, bah qui a les mauvais type de dégâts, bah tu fais moins de dégâts. Enfin, c'est une sorte d'RPG un petit peu. C'est un, comment ils avaient appelé ça, un MMO FPS ou un truc comme mort, ça. Ah merde, fallait se mettre dans la bulle. Ouais, putain, je me suis pas mis dans la bulle. Oh, venez me réanimer. Ah voilà. Ah, je me suis pas mis dans la bulle, du coup je me suis fait éclater. Fallait se mettre dans la bulle parce qu'il y avait l'attaque du vaisseau. Génial. Voilà quoi. Et là on passe pas de niveau dans la bêta du coup. D'accord. C'est très dommage. Parce que dans la bêta du 1, on... Parce que dans la bêta du 1, on pouvait monter niveau 20, je crois, un truc comme ça. Il peut arrêter de passer devant lui, il m'énerve. Je vais le taper s'il continue. Parce qu'il y a un mec... Oui, level 8, pardon. Parce qu'il y a un mec qui passe devant moi depuis tout à l'heure, en train de m'énerver. Il est en train de me gonfler, gros. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais j'ai le snipe, je suis bête. Le snipe, ça marche. Bon, allez, vas-y, venez. Dégage. Ah, Destiny 2, gros. Je peux dire que ce jeu, quand il va sortir, les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que on va squatter. Moi, je vous le dis direct. Là, tu mets des petits tirs comme ça. Oh, ça met du temps à se réinitialiser. C'est quoi ce bordel? Oh oui, j'étais dans la bulle au bon moment. Yes, c'est bon ça. Regardez-moi ça comme il est beau le jeu. Pff, y a pas à dire. Là. On sort ça. Là, on va sortir le snipe. Ah, je peux. Ah non, j'ai plus de mun. Ah merde, j'avais oublié ce détail. Faut aller chercher des muns et tout. Et aussi, quand t'es en PVP, quand vous êtes en multijoueur, il y a des muns qui spawnent un petit peu de partout dans la map normale. Et après, il y a les muns d'armes tertiaires.
votre arme qui fait le plus de DPS, qu'en gros les snipers, les roquettes, tout ça. Et ça spawn toutes les 5 minutes ou 2 minutes, des trucs comme ça. Et c'est le premier qui va y prendre, bah, qui a l'immune de son arme qui fait masse de dégâts. Genre, je me rappelle pour le Jala, c'était Overcheat ou le marteau noir et tout. En multi. Parce que t'arrivais, tu niquais tout le monde, tu prenais l'immune de ça. Et les mecs, bah, tu leur mettais tarif quoi. Voilà. J'ai remis le brise-glace. Oh putain. Et de quoi, dans le 2? Dans le 1. Ah. Ce que j'ai dire, dans le 2, il y a le brise-glace, putain sa mère. Ah, c'est bon. On a réussi. Là, faut aller là-bas, si je me trompe pas. 8. Ça m'étonnerait pas qu'ils remettent des armes de loin. Enfin, des destinations sur le 2. Bah, il y a moyen. Ce serait cool en vrai. Moi, je dis pas non. Je pense qu'ils me remettent mon petit marteau noir là. Je kiffais cette arme, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, ah oui, j'avais oublié que lui il est. Ouais. Ouais, là faut aller là, je crois. Le marteau noir. Ouais. Ah oui, il y a des armes que vous pouvez looter que. Ça, j'ai oublié de le dire. Que en fait, enfin, il y a des armes que vous pouvez looter que à certains types de raids. Oh, le truc il m'a tiré sur la tête. Les ennemis m'ont atterri sur la gueule, normal, enfin ça, vous êtes coché votre père, tout va bien. Et puis bon, bah, comme dans tous les RPG, hein, si vous tirez dans la tête, ça fait beaucoup plus de dégâts, bien entendu. Ce qui est totalement logique, on va pas se mentir. Et là, je me suis fait... Mais putain, mais je suis con. Je suis resté à côté du mec, j'avais pas vu qu'il avait une bonbonne, et je me suis fait éclater. Ça, je savais pas, par contre. Bon, j'avoue, s'il y a des moments où je suis un noob, c'est parce que voilà, y a des trucs... ce bâtard. C'est qu'il y a des trucs que je savais pas vraiment. Je viens de débuter la bêta, Destiny, j'ai pas joué depuis longtemps. J'ai une excuse. Mais c'est vrai qu'on va s'éclater dessus, je te le dis. Bon, normalement, les armes, elles sont pas... C'est pas censé être aussi facile, hein. Normalement, les armes, on a des armes de merde au début. Des armes peu communes, on n'a pas des armes légendaires, des trucs légendaires. Là, on a que du stuff légendaire, donc c'est... C'est vrai que moi, ça m'a choqué quand j'ai regardé le petit live de Gotha, parce que mec il est, je voyais tout en légendaire, j'étais une arme exo, j'étais en mode what. Non, en fait c'est tout le monde là, c'est voilà. C'est pour que les gens ils disent ah mais il est trop facile Destiny, et quand ils vont faire les raids gros ils vont rien comprendre, ils vont tenter le premier raid déjà, ils vont mettre 3 semaines avant d'y arriver. Ouais, et puis j'explique pas les raids en hard. Oh oui, ça c'est pire ça. Après ce qui est bien c'est qu'ils ont mis une recherche maintenant pour les raids et les assauts, enfin les assauts c'est déjà là. Comme ça, je pense que tu peux rejoindre des gens que tu connais pas. Il est où le boss? Eh, il est en l'air! Oh, l'enflure! Au moment où j'ai mis mon super, il s'est mis en l'air. Oh, je vais le niquer comme ça! Bah voilà. Allez hop, y'a plus de boss. Dans la monnaie. Merde, y'a un vaisseau. Il va m'attaquer ou pas? Ah non. Bah voilà, bah j'ai fini la première mission de Destiny 2. Easy. C'était plutôt simple. Hein. Je suis mort une fois parce que bon, je savais pas. Ouais, cinématique, je vais couper mon micro. Trouvez cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler. Il faut l'emmener vers un des sommaires. Vite! Tenez bon derrière! Allez, mon grand. Faut se remuer. Ok, derrière. Mettez-leur quelques pompes pour bien placer. Normalement, il y a peut-être une autre cinématique. Enfin, je suis pas sûr. Ah non. Alors, Antoine, je suis au vaisseau mère. Je suis avec Booba, là. Est-ce que tu peux rejoindre? On dirait que du vaisseau MSZ. J'arrive. 9-2-I. Ah, parce que là, je suis avec Booba, on dirait que du vaisseau mère, tu vois. Donc, du coup, si tu peux rejoindre, fais-toi plaisir. Donc, peut-être que... Ah oui, il y a le double saut. Ah, j'ai oublié de le dire, il y a le double saut aussi. Et sur... T'es là ? Ils disent que t'es encore pas terminé. Ah bah, je sais pas jusqu'où faut aller dans le jeu, en fait, pour pouvoir se rejoindre. J'en sais rien du tout. Ok, donc maintenant il a des munitions qui explosent. Très bien.
Donc là voilà, téléchargé. Et votre spectre en fait, il vous sert à vous accompagner tout au long du jeu à décrypter des engrammes. Enfin, non pas les engrammes, mais il vous sert à décrypter des trucs dans le jeu. C'est ce qui vous permet d'analyser certaines situations dans la campagne, tout ça, ouais. C'est lui qui vous permet d'avancer en fait. Parce que bon, faut que j'explique 2-3 trucs, sinon les gens qui n'ont pas joué à Destiny 1, ils vont être perdus. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent poser des questions sur Destiny, n'hésitez pas. Je vous renseignerai au mieux que je peux, hein, parce que je suis pas non plus aussi calé que Zombie Factory. Parce qu'ils jouent H24 à ça, donc... Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah gros, ils jouent H24, ils ont été invités par Activision à plein de trucs. Voilà, quand on n'est pas dans le même niveau. On n'est pas du même level. Je me rappelle quand Wartek il avait fait une vidéo à la pas à la Paris Games Week, mais à l'E3 de Destiny 2, ils avaient essayé de se faire le premier assaut, ils y arrivaient pas. MDR. Le premier assaut de Destiny. M'avait bien fait rigoler. Ouais, le premier assaut de Destiny 1, ils avaient du mal et tout. MDR. Ah oui, je vois, c'était quoi. Tu sais, le truc le plus facile. Avec le char, là. Ouais. Le truc hyper simple, bah, ils avaient assaut galéré. Niveau 8. Assaut niveau 8. Alors qu'après, quand tu vois le DLC, gros, tu fais des trucs de fou. Truc de fou, fou manteau. Je suis bientôt mort, là. Ah bah voilà, on est pas mort, nous. Bien sûr que non. Allez hop, on n'a pas le temps de voir s'il y a des armes à looter ou... Ah bah non, c'est pas là qu'il faut aller. Ah, voilà, c'est là. Et on fait quoi dans ce sommet? T'inquiète pas, de toute façon, on est là, gros. Ah, c'est là-bas qu'il faut aller. Chut. Allez hop. Oh là. Oh bah tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ces ennemis? Des petits ennemis, non? Ouais, c'est des petits ennemis, la fin et tout. Ils sont aussi mecs que moi, gros. Ouais, je vais les griller. C'est les pions. Ah, je crois que c'était les... Non, c'est pas les Vex encore. Non, il y en a pas, je crois, dans la dépôt. Ouais, mais il y en aura dans le jeu, c'est sûr. Les cabales, les Vex, les déchus. Ah, c'était des bons souvenirs. Enfin, ils vont faire sûrement un raid sur les cabales. Ah ouais? Ils vont faire un raid sur les cabales? Oh, toi? Bah, je pense. C'est bon, ça. Ça serait logique. Ce serait cool. On a tout eu, mais on n'a pas eu ça. Alors, il est où l'autre? Ah, ils sont là. Putain, ils font que de bouger, c'est chiant. Là, je me rappelle, les mecs en multi bougent de... Oh! Là, il y a un plus gros boss, là. Ça peut être la même histoire, je vous le dis. Ah, c'est vrai qu'il y avait des raids, ils étaient... Pas des raids, mais des assauts, il y en a qui étaient galères, quand même. Il y en avait où il y avait des glitchs et tout. Ah oui, pour ceux qui vont prendre le jeu à sa sortie, il y aura sûrement pas mal de glitch, hein, vous le savez, c'est un jeu Activision, donc les Destiny en général, il y a pas mal de glitch pour avoir des engrammes et tout. Bah c'est la vérité, gros. En général, les jeux d'Activision... Non, je serais peut-être pas le premier, mais c'est sûr que je vais faire des vidéos dessus, en tout cas s'il y a des glitch de loot, des trucs comme ça, gros. Tant se faire plaisir. Bon là, on va utiliser le snipe dans la tête, 678 de dégâts, bah ça va. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour niquer le boss, hein. Voilà, il a peur d'être... Oh merde, j'ai niqué mes tirs pour rien, j'ai mal visé. Bon, c'est pas grave, de toute façon on va arriver à le tuer dans tous les cas, il est pas si dur que ça. Là où je me mets, il me tire pas vraiment dessus, donc je suis tranquille. Ça va être le dernier boss, tu vas encore avoir une cinématique après. Ah, il y a moyen, de toute façon c'est pas compliqué, hein. Il suffit de scaler un endroit, il peut pas te toucher, c'est bon, on en parle pas. On en parle plus. Bon, il est où là, je le vois plus. Ah, il est là-bas. J'ai évité d'aller au corps à corps, je vais attendre d'avoir mon super, au moins comme ça je serai sûr de le mettre mal. Là il est en l'air. Bon, les légionnaires, on s'en fout un petit peu. C'est chiant parce qu'ils bougent tout le temps en fait, ça j'avoue que ça me saoule. Tu peux pas faire double saut? Ah si. Bon, il est où? Ah, il est là. C'est pénible ce qu'il bouge. Alors, lui mettre une grenade, ça va lui faire du bien. Bon, j'aurais pris mon temps, hein, pour le tuer, honnêtement, là, j'ai pris mon temps. J'avoue. Je suis pas allé vraiment comme un bourrin et tout. J'ai plus trop de vie, donc voilà, on va se cacher. Je me rappelle, il y avait des succès avec les headshots aussi. Sur les Kaba, les Vex, tout. Il fallait tirer, en gros, dans leurs points faibles. Voilà, c'était pas très compliqué. Ah, il y avait une porte ici. Ouais, c'est dans le petit truc. Ah oui, dans les Vex, c'est dans leur cœur rouge là, un petit peu. Ah bah j'ai plus de mun. Ah bah c'est. Ouais, voilà. On le finit avec ça, les gars. Allez hop. Et voilà. Super chargé. Ah bah d'accord, je l'ai tué, j'ai eu mon super chargé. Que dire. Que
C'est un peu con que je meure comme ça quand même. Et là, si vous marchez sur les ennemis, normalement, il doit y avoir des munes, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, on va y aller. C'est parti. Ah si, voilà, on a des munes. C'est pas trop tôt. Ah, mais il y a un mec en haut aussi, je l'avais pas. Ah ouais, d'accord. J'ai un peu trop avancé là, j'avoue. Bon, pour le moment, je suis mort une fois, mais bon, c'est parce que j'avais pas fait gaffe. C'est surtout pour ça que je suis mort. Parce que j'avoue, j'y vais un peu trop en mode. Bon. Ouais, là, je suis bientôt à la fin, j'ai niqué le boss. Easy. Allez, hop, l'incendiaire, je l'ai tué. Après, il y en a d'autres, mais je sais pas où ils sont. Je vais sortir l'arme secondaire, on va pas s'embêter. Voilà, putain. Je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as ton ulti et tout, ouais, je peux le faire plus tard, vous inquiétez pas. Ce n'est pas un souci. Une petite grenade. Bah alors, il est où le petit Norman là? Faut aller en haut ou en bas? Je crois qu'il faut aller en bas, non? C'est ça? Je sais pas du tout. Ah d'accord. Je sais pas te dire. Ouais, bon bah, on va dire qu'il faut aller en bas. Ouais, t'inquiète. Ouais, ça doit être ça, faut aller en bas, il y a des ennemis en bas, donc je sais pas, je vais aller en bas, je verrai bien. Même pas besoin de viser. Ah, par contre, là il y a un incendiaire, donc vaut mieux que je me décale. S'il explose, je suis dans la merde. Ouais, voilà. Pas parce que ça met un icône vers le haut, mais je sais pas. Bon, écoute, c'est. Ah non, c'est là qu'il faut aller, c'est bon, je trouvais. C'est juste moi qui suis pas très intelligent. Oh bah. Ça dégage. Oula. Pas mal les explosions. On va reprendre l'arme principale. Comment sans doute. Oh là 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 là, oh, calmez-vous. Ils nous attaquent les pions là gros. On va arrêter de se calmer les gars, non? Hop hop hop, on va de se calmer. Ah oui, d'accord, bah tu sais quoi, je vais mettre mon super. Hein. Pourquoi se faire chier gros? Alors y'a que... encore un boss? Ouais, y'a un mini boss. Y'a un mini boss, mais bon, en 2-2 on l'a fait gros. Ah putain, je vais mourir. Ah non, 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 je meurs pas dans, je meurs pas autant de fois dans la bêta non plus. T'as pas déconné, bon lui il va dégager. Putain, allez hop. Et là faut tirer là-dessus. Bon là c'est bon. Nouvel objectif. Provoquer une surcharge du générateur, détruisez les turbines d'échappement. Quoi c'est ça? Ah oui, je vois, ok, d'accord. C'est ouais, quoi ouais. Faire attention là aussi. Tu vas voir. Je vois pas trop ce que c'est. Coup, tu peux facilement mourir. C'est des trucs qui bougent. Faut tirer dessus, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est des trucs tout en bas. C'est... T'as des petites plateformes, normalement, pour tu peux sauter dessus sans... Tu mourras pas. Ah, mais ça... Ok. C'est tout en bas, ouais. Je sais pas comment dire. C'est un truc qui tourne. Ah, ouais, ouais, je viens de comprendre, ok. Moi, je crois qu'il fallait tirer sur les trucs qui tournaient devant toi. D'accord. Non, bah non. Ouais, là, faut aller là. Quoi, c'est sur ça? Ah oui, c'est sur ça qu'il faut tirer. Ok, moi j'avais pas capté. Oui, continue comme ça, d'accord. Et sur quoi qu'il faut tirer après? Il y en a trois comme ça, le long. Elles sont sur les côtés après les autres ou faut aller en bas encore? Ouais, c'est sur le côté. Attends, je vais essayer. Fais le tour du truc. Ah, on peut pas aller là. Ah ouais, moi je pensais qu'on pouvait aller là. D'accord. Oh! Ah, je m'en suis pris une, merde. D'accord, j'avais pas... Ok, bon bah, je suis ça... Ah, parce qu'en plus, c'est la première fois, je savais pas. Je pensais que je pouvais juste aller dessus, tranquille, et puis... Bah, j'ai pas trop compris le tuning. Oh là, là, je vais mourir. Oh, le petit saut glissé et tout. Ah, j'ai oublié qu'on pouvait faire ça aussi. On pouvait glisser. Allez, hop, détruisez les turbines. Ouais. Ah, je vais attendre que l'autre truc, il arrive. Ah, bah oui, j'avais oublié ce détail. Tu peux faire des sautés glissés comme dans Destiny. Allez, ouf, nickel. Allez hop, les turbines. Chut. Ça c'est fait. Merci. Bon bah voilà, ça c'est fait. Ça dégage. Chut. Non, les styles et l'arme qui t'ont donné là. Pff, j'ai pas à dire. Échappez-vous du vaisseau, merde. Ah oui, tu pouvais faire des triples sauts aussi, il me semble, avec le chasseur, non? Mais ouais. Ouais, ouais, tu pouvais. C'est écrit un truc spécial. Ouais, voilà. Ouah, le vaisseau il est en feu, mon dieu. C'est des bots. Tu pouvais sauter en l'air. Exactement.
Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Des glitches et tout, ah bah mec. Ah cool. La cinématique les gars. Chut, ça dégage. Encore une cinématique. Il vient de nous hyper le. Il vient de nous montrer l'ennemi là, c'est Ghoul. Oh là 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 là. Ça va être un truc de malade. Après, je vous cache pas que ce jeu, il ramasse de DLC, comme d'habitude, des DLC à 40€ chaque année, hein, pour pas changer. Mais voilà, le jeu il est bien quoi. C'est ça le problème de Destiny. Bon bah, ça c'était mon ancien clan, les Totos de Destiny, mais j'ai pas joué avec eux depuis hyper longtemps. Bienvenue dans la bêta de Destiny 2, Destiny 2. Vous remerciez d'avoir joué à cette version, bah t'inquiète pas. Oh le vaisseau et tout, ça c'est beau. T'as, ils nous ont donné un petit emblème avec mon gars, au calme. Ah, on peut être 6, ouvrir la carte céleste. Ah donc ça c'est les d'accord, ok. Partie rapide. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que ça vous aura plu ce petit let's play sur Destiny 2, la bêta. Donc dès que le jeu va sortir, je vais vous faire des vidéos dessus, y a pas de problème. Je verrai si je vous en mets une par jour ou à voir avec ma connexion. Je ferai des petits let's play, pourquoi pas des vidéos aussi en PVP avec des pods, des délires et tout. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire, à lâcher un like et me le dire en commentaire ou partager. De toute façon, je vais squatter ce jeu, donc voilà, dès qu'il va sortir, vous le saurez, y a pas de souci. Sur ce, les gars, je vous souhaite bonne journée à vous, bonne soirée. Je vous dis ciao, à plus, les gars.